Allô, Léon? Oui, allô? Oui, madame Boudamdoula. Des manifestations? Effectivement, madame Boudamdoula, pour vivre, on s'y ambiance, comme on a dit là, il y a de la poutine, bonne pour vivre, on s'y ambiance. Ok. Madame, nous mettons dit c'est un autre groupe de monde, c'est un autre groupe de monde qui sort dans la zone pour ne pas accepter pour y rentrer. Et si c'est le monde qui dit qu'on a arrêté de manifester, le groupe de monde qui a pour y rentrer, entrer en dedans et Sénat, en dans la Cour de la République là. Et avec dit population, pour la renforcer sur la Cour de la République. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont rentré toujours et qui ont passé par la Cour. Et le ministère des Forces qui a rentré sur la cour, c'est la République qui a chanté Barrio et qui a dit que paroles, puis ma boucle. Nous-mêmes, nous obligés, journalistes, nous obligés à mettre nous à couvert ou bien à mettre. En retrait, la recette, mettez-nous en retrait. Monde qui a dit des paroles, puis ma boucle. Qui dit des paroles des mondes et nous a dit. Ou visage, nous ne pouvons pas comprendre visage et capter des paroles et qui prend la course de la République là, nous-mêmes obligés à mettre nous un seul côté, mettre nous à couvert pour nous suivre comme on va gagner live. Ok, mais contre la police même. Parce que est-ce que ce pas un cordon de sécurité autour du Parlement, parce que si vous arrivez à entrer dans la cour? Bon, nous ne connaissons pas, parce que nous sommes sur la cour, équipe monde, nous allons dire. Et qui accès aux jeunes dans deux heures parce que le juste était pour nous connaître aux jeunes accès aux autorités. Sauf que nous avons regardé une équipe traite, une équipe l'autre et monde et qui débattait en dedans sous la cour sénat. Et la police, pas bien la police en dans la cour, effectivement. Et sauf que c'est agent sécurité président avec une équipe l'autre et policier, à mettre à dire une jambe de dos et qui force sénateur dans sa polyvalente. Mais à la fin, on a un cordon de sécurité devant porte à la polyvalente. C'est agent sécurité. Et policiers, agents sécurité rapprochés, tous les sénateurs qui sont dedans, et salle polyvalente là, et qui campent, et agents sécurité qui campent devant porte d'entrée, salle polyvalente là, avec gros abnormes, pour assurer sécurité, et VIP, qui est en dedans, ces sénateurs qui sont dedans, salle polyvalente, c'est ça que vous avez dit, devant porte salle polyvalente là, et c'est qu'il y a un pile de gaz armes, mais c'est plus agents sécurité qui affecté avec un policier. Ok. Mais gagner des sénateurs que nous avons contactés là et au moins une lado qui dit qu'on va intervenir tellement en dedans on odeur nos herbes on dit bah la clé en dedans tellement senti irrespirable. Moi dit que pour qu'on est mettre d'accord avec quelques parlementaires, c'est des sénateurs et pour être capable d'intervenir, gagne un qui dit nous en dedans irrespirable. Tellement senti, donc, ça dit, même parler, on va capable de parler. Et moi, je ne suis pas en train de faire polyvalent. Pour qu'on y en ait, je n'ai pas en temps sale polyvalent. Sale polyvalent, je ne suis pas en train de le baron, c'est senti. Mais sauf qu'effectivement, dans la zone, et puis où administratif quotidien, et puis où président, et Calme la Cantave, puis où est secrétaire général là, puis où est l'autre tout le monde, puis où effectivement, voilà. Mais Mounio, pour l'instant, c'est sous la croix, vous voyez, pas vrai? Oui, pour l'instant, Mounio, sous la croix, toujours à chanter. Il n'y a pas dit que parole plus en bouquet et à chanter. Ok. Et ben là, extrêmement difficile là, parce que le président Sénat, il était demandé pour agent sécurité et scénario, pas de venir jeudi en espérant, ou bien parce qu'il était pensé, il était mal garanti que ben, la police a fait job là. Oui, effectivement, là, c'est vraiment difficile. Parce que nous, ouais, avec lui, il n'est pas prêt, donc nous ne pouvons pas dire ça, Marie-Christine. C'est pas vrai, c'est agent et policier, agent Simo Sao, et qui a affecté avec un sénateur qui a fait des reports de sa polyvalente. Jean Mounio a pas et Marcella, c'est pas présence, ça veut dire que c'est un agent pour lui en train de sous sénateur Wanda, mais jusqu'à présent, il y a un gros dispositif de sécurité, en plus de gaz qui a fait des reports de sa polyvalente, et qui est toujours barré Mounio pour, et pour si Mounio a tenté de rentrer pour barrer Mounio pour qu'il en train de sa polyvalente. Voilà. Merci Léon et encore et prudence et, parce que ma situation est extrêmement difficile. Mais avant, combien de monde comme ça? Et il y a de la voix, j'ai dit, il y a chanté, il y a lancé des slogans. Est-ce que la cour est plein à Mounio?
Bon, nous avons des centaines de monde qui sont la foi. Des centaines de monde qui viennent ajouter à ça que tu es déjà là. Pardon? Tu viens ajouter à ça que tu es déjà sous place. À ça que tu es déjà là déjà. Ok. Et est-ce que sénateur Antonio Cherami a participé dans la rencontre ça tout? Non, sénateur Antonio Cherami, de temps en temps, nous allons passer sous la foi. Merci Léon Kersivil, n'a juste essayé de rentrer en contact avec porte-parole PNH pour nous tander qui ça la police gagne et pour yodi sous question parce que foule là li envahi et la croix m'a demandé si policiers sa yo, même si c'est des agents d'unité spécialisée et la police qui est sur place, est-ce que y a capable d'arriver et contenir foule là pour y pas entrer dans salle là, dans salle polyvalente là côté sénateur yo et a réuni pour l'instant, voilà. Tout ça nous te gagne pour nous dire sous ça et gagne de petites secondes je regarde gagne auditeur auditrice plutôt qui font commentaire il dit que m'a parlé de sénateur donc je regarde et sénateur Lambert m'a dit sénateur et mon pouvoir non c'est parce que m'a dit que tu as besoin de parler à sénateur qui proche pouvoir mais et Lambert le sénateur Lambert tout comme et Yuri la tortue bien avant avant de démarrer l'émission, nous te mettons nous d'accord que yo t'as pas participé à l'émission en spécial ça. Est-ce que j'ai quelqu'un en ligne de seconde? Allô? Oui, Maître Shannon. Oui, bonjour Maître Shannon. Mm-hmm. Allô? Oui, bonjour Maître Shannon. Allô? Oui, Maître Shannon. Deux petites secondes. Est-ce que vous entendez là? Oui, t'adore. Eh bien, ok. Vous dites que vous voulez faire une intervention et par rapport à qui question? Par rapport à la question de décharge Premier ministre et par rapport à la position sénateur Yoé la tortue autour de question ça. Ok. Mais Maître Shannon, non complet. Bon, on n'a pas là, parce que c'est une émission spéciale. Et justement, Kato, parce que le sénateur Kato se parlait de ça. Bon, nous, non complet, ou fait partie de l'équipe, ma connaît, qui Premier ministre, c'est bien ça? Non. Nom complet, c'est Jean-Charles Moublan. Moi, c'est avocat et que moi, j'ai une spécialisation que moi, je fais dans ENA, École nationale d'administration en France, ma question administration publique. Moi, pas ma équipe pour le ministre, mais moi, c'est un observateur avisé qui a suivi l'évolution débat, notamment sur question et point de droit, qui nécessitait que moi-même, en tant que spécialiste dans le domaine-là, moi, porter point de vue pas moins, et sur la base de ça, la loi dit, et des éléments doctrinaux. Mm-hmm. Et justement, vous voulez participer dans le débat, et m'attendre, bon, rappeler la position de sénateurs de l'opposition et Antonio Cherami se dit ça là et tout à l'heure et puis Yuri la tortue les grandes notes que l'adresser au président du Sénat il a estimé que séance ratification li pas qu'à faire tant que dossier des charges et premier ministre li pas clair en ce sens et que cour de cassation li prononcé sous ça parce que gain un pouvoir qui fait sans répondre. Moi répondre effectivement gain un pouvoir qui fait mais pouvoir pas suffit pour faire que pas qu'à gagner séance pour ratifier et premier ministre Fritz William Michel. Je m'explique. Le premier ministre est détenteur d'un certificat de décharge qui découlait d'une décision de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Laquelle décision est attaquée par un cadre. Ce n'est pas le certificat de décharge qui est attaqué, mais la décision qui a donné lieu à l'émission de ce certificat de décharge. Est-ce qu'on saisit une nuance qui gagne? C'est là pour nous saisir une nuance.
Il y a une décision qui a donné lieu à un certificat de décharge, et ce n'est pas le certificat de décharge qui est attaqué, mais la décision de justice, justice administrative, qui est attaquée. Donc, autant que pour qu'on gagne une décision de justice au niveau de la Cour de cassation qui casse les décisions qui débaillent mon nom, quiconque, c'est pas seulement Fritz Friam, qui débaillent quiconque doit pour gagner un certificat de décharge, ça, le détenteur de ce certificat appelé à jouir tout privilège que certificat de décharge ça a offrir, y compris pour les briguer un poste électif ou nominatif au niveau de l'État. Maintenant, si demain matin, la Cour de cassation casse cette décision qui a donné lieu à ce certificat, à ce moment, dans le dispositif de ce jugement, il va annuler l'ensemble des actes ou des prérogatives que décision de justice a conférées à monde qui est bénéficiaire là. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok? Donc, sénateur, il a fait fausse route, mais il dit que sur la base de ce pouvoir en cassation, le Premier ministre ne peut pas se présenter par devant le Sénat de la République. Et M. Anon, faut tirer en ligne parce que la situation dégénérée là au niveau du Sénat de la République. Et Léon Kercivil. M. Anon, est en ligne. Léon Kercivil. N'a pas rejoint Léon Kercivil. Est-ce que il y a des gens qui prend balle au niveau du Sénat? Et c'est précisé pour nous. Allô Léon. Oui. Bon, parce que nous ne parlons pas vraiment, malheureusement, ou très loin. Bonne précision, son journaliste qui prend balle là. Oui, effectivement, Marie, nous t'entendons à peu tirer, et dans la zone, nous t'entendons qu'il y a des gens qui prennent balle, mais il y a un journaliste et photographe qui. C'est Chéri Dunalio, son journaliste photographe qui travaille pour Reuters. Et effectivement, Noël, avec un toile gazon, pourtant, ça a fait sens et machine qui prend actuellement là pour courir avec l'hôpital. Dis-nous, effectivement, c'est un bon sénateur, mais il n'y a pas qu'à Libanon et non sénateur. Le sénateur avait directement pris le temps pour réfléchir, pour songer. Non sénateur, avant Libanon, c'est le sénateur Jean-Marie Ralphit. Pendant qu'il a sauté, et pendant que le sénateur Jean-Marie Ralphit a sauté, il dit que moins, le sénateur a tiré. Et ça a fait plusieurs balles, lui-même lui prend, lui touche en bas et mon sang, et quand ça tourne, il y a un autre monde qui prend et balle dans le ventre, il y a couru avec mon sang et l'hôpital. Mais pour qu'on y a là, et chéri Dunalio, et après, il y a quoi, et moto avec qu'on y a là, c'est notre camarade journaliste, et caméraman, photographe, pareil, et cap, et pour aller avec Chéri Dunalio après à son presse. Chéri Dunalio, c'est contacté vraiment tout le monde ici. Ok, Léon. Parce que vous paquet de bruit, et bon, quand on l'a, vous comprenez la situation. Faut-il démarquer de foule là, et si possible, pour nous capables de gagner un détail, ça qui passait. Est-ce que journaliste là, son photographe, et lui. C'est sous la croix, il prend balle là, ou dit un sénateur qui prend Zamni, qui tire, et puis c'est un balio qui prend lui, c'est ça? Et ça, oui, il dit. Bon, c'est ça, il dit, nous, il dit dans cette interview avec le président pour dire qu'avant là, il dit nous, pendant le sénateur sorti, et puis il y a un groupe monde, et dans la zone, et parti, le ministère de la Défense, et puis le sénateur, il dit, oui, le sénateur a les Zamni, il tire, et puis c'est pendant balle, il fait, le sénateur tire, il tire à terre, et puis il est touché en bas menton, il met ses zones en bas cool, et puis il dit qu'il y a un autre monde, tout,
et c'est gon l'autre tout qui prend balle dans ventre nous t'a t'a avec l'hôpital et journaliste là chéri Donalio un journaliste photographe à peine quitté et la cour Sénat républicain il passé par et barrière ministère défense par ministère défense pour sous une moto côté il dit un chauffeur qui a produit moto avec un autre camarade de journaliste photographe dans dol qui courait avec l'hôpital. Et je crois que son photographe et puis de toute façon chéri Donalio li son un journaliste expérimenté ou reporter photographe il gagne quelque temps et non métier donc il dégénéré actuellement là pas gain aucun monde pas contrôler rien n'importe bail qui arrivé. Effectivement, la Russie, j'en dis là-bas, elle a dégénéré, n'importe quoi qui est arrivé, et puis elle a parlé nous sous la cour, dans la zone bossée, et dans la zone la cour. Et principalement, il nous tendait, effectivement, et plusieurs balles tirées, et dans le ministère de force, et puis, les gens qui ont pété, font avancer pour nous parler, c'est les sagons gaz, avec nous, qui nous rencontrent avec nous, nous obligé de faire battre tellement de gaz là, et trop fort, mais c'est après, nous allons donner des gens qui victimes, et nous allons parler, nous allons, effectivement, nous allons voir, et chérie, du radio avec, on a étoile gaz dans la montagne, cap Baïstan. Et si les salles d'avoir parlé avec nous, dis-nous ça qui vient, mais pour qu'on y aille, il y a un coup, il y a un vel pour aller avec l'hôpital pour la droit soin. Ok. Et donc, il a transporté l'hôpital, mais jusqu'à avec Jean-Marc Lab dégénéré là, qui ça, on est d'abord l'autorité, qui ça président Sénat dit, est-ce que Noël, il paraît point tête li, et mon bureau, yo, voilà, et gain image là, n'a pas égalé. L'autre, prends micro ça. Ok, faut parler avec, parce que moi, gagne au monde qui souligne, parce que j'ai noté commencé une conversation avec, je vais trouver le nom, maître Jean Chanon, et donc nous gagne image qui vient de nous là. Ah oui, madame Moulin, bonjour tout le monde, c'est Imajo, et chéri Donalio, moi, quoi, c'est ça, société de presse, je ne me pas trompé, moi, quoi, ça, qui, et Imajo, comment c'est venu en bas menton vraiment, côté avocat, apparemment, cartouche là, les riflèles, parce que côté là, c'est encore une zone qui est dangereuse en quelque sorte. Il faut toujours commencer à venir, et joindre nous dans la studio Vision 2000. Ok, ok. Bon, voilà. Léon, bon, c'est fois nous t'a joué nous responsable en bas, pour nous connaître ce qui a passé. Même porte-parole la police, nous ne sommes pas capables de jouer jusqu'à présent, parce que alors, la police doit être présente là, en un moment. Et puis, ou imaginons, mon qui entre eux, pas de fouille, ou pas qu'on est qui est armé, qui est armé. Alors, concernant la police, nous t'essayons de joindre la police. Porte-parole l'a dit que. Papa on l'a dit que il pas sur place de pas qu'à intervenir pour me joindre adjoint mm-hmm. pas arriver joindre adjoint au téléphone. Okay. Mais qui est-ce qui est responsable opération ça aujourd'hui a? Non, c'est à deux DCPA en général, c'est à deux DCPA. Donc mais que DCPA et de toute façon là nous arrivons au moment faut que autorité assume responsabilité parce que là il grave, il commence à dégénérer, mon apprend balle, sénateur fermé et non on sale, gonfoule et Léon dit oui, plusieurs centaines de monde qui et qui a bossé de temps en temps. Absolument qui envahit la cour et puis gagne des policiers, une unité spécialisée mais yo juste campé devant et ça là et y a censé m'envie de mettre entre guillemets pour sécuriser les sénateurs mais on imagine au monde ça yo font porter bourre sur ça là qui ça va passer en pile risque bon de toute façon que l'autorité prend responsabilité moi-même bah ouais que j'en sais ça li capable de arriver difficile et jodi a non climat délétère ça. Voilà. Et n'a pas retourné en deux minutes avec Maître Jean Chanon. Et Maître Chanon.